Si tu veux un maximum de gemmes, n'hésite pas à créer un compte Tap Chrono en cliquant sur le lien dans la description ou en te connectant avec Facebook. Cela te sera proposé lorsque tu seras redirigé vers la page. Si tu veux et que tu cherches un clan, n'hésite pas à rejoindre le clan Meskwe Unclan qui est ouvert à tous. Si tu aimes les guerres de clans, que tu aimes le foot ou que tu es un fanat de Clash of Clans, n'hésite pas à le rejoindre en mettant ton message personnalisé. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est H, j'espère que vous allez tous bien, ça va vraiment super bien comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inauguration et une vidéo spéciale, car je vais reprendre les séries sur ma chaîne. Aussi quelques petites nouveautés à vous raconter, mais donc ça je le ferai par après. Donc aujourd'hui, une vidéo défi, et donc je vais reprendre cette série qui vous avait beaucoup plu lors de mon ancienne chaîne, donc j'avais déjà fait... cette série sur mon ancienne chaîne qui a été clôturée par YouTube, je le rappelle. Et donc, j'ai décidé de reprendre cette série car elle vous avait énormément plu. Donc, pour ce premier défi, j'ai décidé de le faire moi-même. Donc, avec les troupes que j'ai dans mes camps militaires, dans mon château de clan, etc. Je vais devoir décharger les deux tours de l'enfer d'un village d'HDV10. Donc, c'est un défi assez chaud, mais je vais essayer quand même de le réaliser. Et ensuite, lors des prochains épisodes, vous pourrez me proposer vos défis que je devrais exécuter. Donc, dans les commentaires, vous me dites quelles troupes je dois utiliser. Donc, attention, j'ai bien 240 places dans mes camps militaires. Donc, faites bien attention à ce que le total de toutes les troupes fasse bien 240 places, car sinon, je ne prendrai pas votre défi. Donc, si vous ne savez pas combien de places prennent des golems, par exemple, vous cherchez sur Internet, en 30 secondes, vous avez la réponse. Donc, voilà. Donc voilà, soyez pas très fainéant. Si vous voulez proposer votre défi, vous le faites, mais par contre, vous vérifiez bien que ça fasse pile poil 240 places. Vous me dites si j'ai le droit au héros ou pas, si j'ai besoin des troupes dans le château de clan, et si oui, lesquels. Et si j'ai le droit d'utiliser des sorts, si oui, combien de sorts et lesquels. Voilà, donc par exemple, je vais donner un petit exemple de compo. Donc 120 barbares, 120 archers, tu as le droit au héros, tu as le droit au château de clan mais que aux barbares et aux archers. Et dans ton usine de sorts, tu as le droit à 3 sorts mais 3 sorts de rage. Voilà, donc par exemple ça c'est un exemple de défi. Et l'objectif, avec toutes tes troupes, tu dois faire 50% sur un HDV10. Voilà, donc ça c'est le défi idéal que vous pouvez me donner. Bon, bien sûr, ne me donnez pas des défis trop ennuyants à faire. Hein. Donc pas de barbares archers, pas de truc tout pourri, hein. Et bien sûr, j'utiliserai jamais les molosses de lave. Donc ça, je tiens à vous préciser, jamais des molosses de lave. Et pas des défis cons, par exemple, comme full géant, faire 50%. Ça, c'est pas possible. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, et pas de casse-briques. Voilà, merci. Donc maintenant, je suis vraiment désolé de vous avoir fait chier avec ça. Et donc maintenant, on va passer à l'attaque. Donc je vous rappelle le défi qui est de faire décharger les deux tours de l'enfer d'un village. Donc c'est parti, on va essayer de trouver un village à attaquer déjà, donc... Je vais vérifier dans mes vengeances si j'ai pas quelque chose à faire. Ouais, non. Ah, quoique, pourquoi pas. Je dis bien pourquoi pas. Ok, allez, c'est bon. Donc, bien sûr, je ne joue pas les trophées. Je vais essayer de décharger cette tour de l'enfer qui est là et l'autre tour de l'enfer qui est ici. Donc, à mon avis, ça va aller jusqu'au canon à peu près jusque là. La zone de tir de la zone de la tour de l'enfer, excusez-moi. Donc, c'est bon, c'est parti. On va y aller. Alors, go. Je laisse tous mes géants avec deux golems. Et là, on met un beau petit sort. Voilà. Ensuite, ici. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai ça comme ça. Et je pense que normalement, je devrais assez facilement pouvoir vider ces deux tours de l'enfer. Même si ça va être un petit peu chaud finalement. Car les troupes, elles sont parties. Et du coup, en fait, le tour de l'enfer, elle s'est retrouvée seule. D'accord. Alors ça va être très chaud, mais n'empêche, je vais quand même essayer de réaliser ce défi. Ah c'est bon, ils reviennent un petit peu là les troupes à droite, c'est bon. Alors est-ce qu'on va réussir? Alors malheureusement, j'ai pas réussi à... Ah bah si, c'est bon. Bon alors malheureusement, j'ai pas réussi à décharger celle de gauche, mais j'ai quand même réussi à... à la tuer en fait, quelque sorte, donc c'est pas mal. Par contre, j'arriverai peut-être pas à détruire
enfin, à décharger cette tour de l'enfer là. On va essayer, n'empêche. Mais je pense qu'elle était bien chargée, et donc du coup ça va être très 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 chaud. Wow. Bon alors voilà, j'ai détruit les deux tours de l'enfer, par contre j'en ai déchargé aucune. Donc on peut dire que le défi est rempli à moitié, mais pas totalement, car je n'ai pas exécuté parfaitement le défi. En fait, j'ai réussi à les détruire, ces tours de l'enfer, mais je n'ai pas réussi à les décharger. Voilà, donc j'attends vos défis. Sinon, si vous ne voulez pas les laisser par commentaire, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse mail marquée ci-dessous. De toute façon, vous pouvez la retrouver dans la description, je vous mettrai mon adresse mail. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Juste avant de se quitter, je voulais juste vous parler de quelques petites informations. Vous voyez ici le buisson qui a changé. En fait, ils ont rajouté des petites citrouilles à côté comme l'année dernière. Et j'ai décidé finalement de regrouper toutes mes chaînes YouTube, enfin plutôt mes deux chaînes YouTube de FIFA et de Clash of Clans. Et donc, je vais vous faire aussi des petites vidéos de FIFA sur la chaîne Acharnée. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à laisser vos défis et vos commentaires, vos appréciations sur la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le clan Mesquehoun Clan si vous aimez les guerres. Uniquement si vous aimez les guerres et que vous adorez ça. Voilà. Allez, à bientôt les amis.